Wakati kuna kuya, on doit dire la vérité, peu importe les conséquences. Il ne faut pas reculer. Il ne faut pas reculer. Mais il y a des gens qui sont des prédicateurs diplomates. Comment est-ce qu'on peut à un politicien de parler dans l'église? Il y a les sables de politiciennes. Ici, c'est la parole. S'il vient ici, il doit écouter la parole de Dieu. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, un mal qu'il soit au niveau de la nation, au niveau d'une famille, au niveau d'un prédicateur, au niveau du pasteur, mais c'est un mal. On doit prendre l'épée et couper ça. Qu'il soit à moi, soit recoupé. On ne fait pas de la diplomatie. Nous sommes des prédicateurs de la justice. Tu es dans l'adultère. Tu crois. Tu fais la prostitution. Tu crois. On doit dire la vérité. Kamawache. Si tu ne laisses pas, tu n'abandonnes pas cette vie, tu vas mourir dans le feu. Frère, aller au désert. C'était dur. Pour la haute classe. Il kwa nguvu juu abakubwa ya inchi na ya makanisa. Écoutez Jean. Kwenda kumsikia Yohana. C'était trop bas. Il kwa ni kujishusha chini sana. Les grands dignitaires. Bale bakubwa ya inchi ele wa. Kwenda kumsikia Jean. Allez écoutez Jean. Quelle humiliation. Il kwa ni haya, ni mambo ya chini sana. Mais ce qui était prédestiné là. Sasa bale balitayarishwa kwa kumsikia Yohana. Ils ont pris la bonne orientation. Balienda mwile njia ya jangwa. Ils y allaient avec précipitation. Ils écoutent. Ils se repentent. Et ils se font baptiser. Non, bana baptisiwa. Bana vu ma cathédrale ya. Et la haute classe est restée dans la cathédrale. Leurs grandes églises. Mu makanisa yabo munene ile. C'est la capitale quand même. Allez écoutez, Ambrousse, non. C'est trop bas, c'est trop bas. Qu'est-ce qu'il a comme diplôme en théologie? Et on a diplôme en théologie. Nous, nous sommes docteurs en théologie. Formés dans grandes universités. Mais Jean Chouekinto. Jean n'en savait rien. Même son aspect. Et vous comprendrez que Dieu a fait exactement la même chose à la fin du temps de la grâce. Il va prendre un homme avec une instruction primaire, une grammaire terrible, et lui confier un grand message pour le monde entier. Son pasteur Docteur David. Quand frère lui a dit, Docteur David, Dieu m'a appelé, il m'a confié un message pour son peuple. Il dit, Billy, tu te trompes. Qui t'écoutera toi avec ton instruction primaire? Et ici, celui qui m'envoie, c'est qu'il a déjà préparé un peuple pour m'écouter. Et nous sommes là aujourd'hui. L'histoire se répète. L'orientation au temps de Jean, désert, ce qui était prédestiné à la cour, ils ont bravé la honte. Ils sont allés dans le désert. Tu es aussi allé dans le désert. Je me suis repenti. On m'a baptisé. Il n'avait pas honte de rendre témoignage. Mais les autres par orgueil. Ils sont restés. Il y avait des pharisiens qui s'étaient détachés d'eux. Il dit, on ne voit pas clair. Allons d'abord écouter le prédicateur de Barachikia. Quand ils l'ont écouté, c'était dur. C'était cassant. Bien goût, vous savez. Des races de vipères.
Il dit, c'est vrai. Nous sommes une race de vipères. Nyoka wezukwenda en ligne droite. Un serpent ne peut pas marcher en ligne droite. C'est comme ça. Il fait des sillons. Il fait une grande route. Il a fait une diamounée. Il est en train de. Ligne droite. Mais ça, c'est une petite route. Ça fait mal, mais il bien quoi. Quand votre péché est repris, il bien quoi. Ça fait mal. Surtout vous. Mais réponds-toi. Pourquoi tu te fâches? On m'a humilié. On m'a ridiculisé. Pourquoi tu es en qu'on te laisse avec ce péché. Les vrais hommes de Dieu sont des prédicateurs de la justice. Je crois que c'est vrai qu'il a donné un message ici. Dieu se pose la question. N'y a-t-il pas de bombe en Galate? N'y a-t-il pas de médecin? Mais pourquoi la plaie de la fille de mon père ne peut-elle pas guérir? Frère, Dieu a tout donné. Quand il y a un problème, une maladie, il y a une solution. Prenez la solution de Dieu. Et la véritable vie chrétienne commence par la repentance. Quand on doit se repentir, lorsque l'homme ne s'est pas repenti, il va marcher comme un serpent. On se repent une fois pour toutes dans la vie. Nous étions dans la boue du péché. Nous tous. Dieu est venu nous récupérer par amour. Et on a vomi ces choses. Mais pourquoi retourner aux vomissures? Non. Nous sommes au temps de Jean-Baptiste. Préparé au désert. Mais demain, nous verrons une chose. Même ce que Jean devait faire, c'était annoncé avant la naissance de Jean. Son travail. Qu'il n'allait pas chaque fois. Ce qu'il devait faire. C'est déjà annoncé. Mais les gens, ils ont loupé ça. Les grands théologiens. Ils avaient mal interprété la promesse. Ils ont loupé la chose. Et l'histoire est en train de se répéter. Le Nouveau Testament a commencé par la grande des promesses et il finit de la même manière. Il n'y a pas de différence. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer demain. Nous sommes sur les promesses. Ce sont des orientations. Mais il faut être élu pour voir ça. C'est ça la particularité des élus. Un seul peut voir que Dieu est en train d'accomplir telle promesse. Et il s'allie. Mais les autres, Satan les aveugles. Et ils feront des frais. Nous sommes en train d'avancer. Et nous comprendrons beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite mon frère et jeune venir pour la suite. La chorale peut nous entendre un cantique.